À Niort, les gardiens voient rouge pendant les arrêts de jeu après une faute d'un Lorrain. Rodolphe Roche ne se maîtrise pas. Le coup est donné, l'arbitre sort alors. Le carton rouge, un deuxième en deux matchs pour les gardiens niortais. Pourtant, la partie avait bien commencé pour les Niortais. Après seulement 4 minutes de jeu, un ballon bien servi par Dio et Florian Martin ouvre son compteur de but en Ligue 2. Et c'est le même Martin qui doublera la mise 7 minutes plus tard. 2-0 en seulement 12 minutes de jeu, les Chamois semblent avoir fait le plus dur. Mais une faute de Quentin Bernard dans la surface de réparation et c'est le pénalty. À 2-1, les Chamois commencent à douter et Nancy est en confiance. L'égalisation viendra juste avant la mi-temps avec une belle frappe de Carabou qui trompe Roche. Pour Florian Martin, son doublé n'a pas servi à grand-chose. Je suis abattu parce que ouais, tu gagnes 2-0, tu n'as pas le droit de te faire rejoindre de partout. C'est... Voilà, je suis énervé, je suis frustré, je vais pas bien dormir, c'est sûr. C'est un collectif, quoi. Ouais, voilà, c'est... Personnellement, je marque des buts, mais moi, c'est... Mais je m'en fous, parce qu'on n'a pas les 3 points. En deuxième mi-temps, Nancy domine le jeu et les Niortais passent à côté d'une victoire. On avait une occasion d'être un petit peu plus tranquille, bien sûr. On l'a raté. La semaine dernière, on a eu une occasion de rentrer dans les 7 ou 8 premiers, on l'a raté. On sait pertinemment que le championnat, il y a des occasions à ne pas rater. On en a raté 2. Mais il reste encore 27 ou 28 matchs. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Au final, un match nul 2 partout, au goût amer pour des Chamois qui se retrouvent 13e de Ligue 2.